Salut tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle news sur WWE 2K15. Donc la news est sortie donc aujourd'hui même, une nouvelle fois, à 16h. Et donc c'était donc un trailer qui a été dévoilé, je pense, à la Gamescom. C'est un trailer qui dure 30 secondes. Je vous laisse le regarder et on se trouve juste après pour le décortiquer un petit coup. A tout de suite. Et donc voilà, on se retrouve maintenant pour le décortiquage du trailer. Donc première image qu'on voit, donc Main Content de machin, donc toujours le même truc. Avec juste après le petit logo de 2K, hein, comme d'habitude. Et donc attention, première image qu'on aperçoit donc. On peut voir que c'est l'arène d'Euro qui est vraiment officielle. On peut voir au fond WWE.com avec 2K. L'arène qui m'a l'air vachement grande, le public qui n'est plus un carton, mais on voit des ombres et tout, et ça peut être un public vraiment beau avec l'arène de Raw, avec d'un côté WWE Network, la table des commentateurs qu'on voit. On voit donc au loin sur le ring donc Cena et Randy Orton avec l'arbitre, on sait pas encore qui c'est. La rampe, donc l'arène m'a l'air assez grande et assez vraiment réaliste, et c'est ça que j'aime. La seconde image est donc, en fait, ce trailer est composé en fait de plusieurs images. Donc la seconde image en fait. Le combat qui concentre Randy Orton et John Cena, donc le face à face, donc des deux captures qu'on avait vues de plutôt screenshot, ben c'est fait pareil, mais sauf que c'est en trailer. On a vite vite vu l'arrière du crâne du Cena, et donc là on peut voir tous les deux bodies, les deux corps des deux catcheurs, avec des zooms et des dézooms sur chaque partie des catcheurs. Et on voit plutôt dans les regards des deux catcheurs de l'agressivité et de l'envie de détruire. Et on voit qu'ils bougent un peu tout seuls, hein. Donc c'est pas genre ils sont fixes, non, ils bougent un peu. Et pour finir, dernière image, donc c'est WWE 2K15 avec John Cena à côté. Précommandé maintenant, disponible le 28 octobre aux États-Unis et en international le 31 octobre. Donc la dernière image, deux générations de Sting, précommandé pour avoir les deux versions de personnages en téléchargement. Donc le décortiquage donc du trailer est fait. J'espère que cette petite news, ce petit trailer vous aura plu. Laissez un j'aime, un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Tous les liens sont dans la description et on se trouve la prochaine fois. Pour une prochaine news, ou un prochain let's play, ou un truc, je sais pas. Je vous dis à la prochaine. Peace out!